qui est resté avec nous. Bonjour Philippe et rebonjour aux deux autres. Ce matin, Philippe, avec vous voulez jouer à Flasher, c'est gagné. Oui, effectivement. Et c'est, on va parler de culture sans points. Alors, sans points, ça veut dire sans points, ça veut dire sans maladie, sans parasites, sans petits points noirs ou rouges. Voilà, sans points. C'est pour ça qu'on parle de flasher. Grâce à une nouvelle machine qui s'appelle Helios. Regardez, dont le brevet est français et qui va révolutionner les cultures souvent attaquées par des maladies comme la vigne, les terrains de golf et demain notre jardin. Pourquoi ? Parce que flasher, c'est gagner. L'idée, c'est justement de flasher avec cette drôle de machine la vigne. Alors, les flashs vont apporter quoi ? Un soin global aux plantes. Alors, comment ça marche ? C'est de la luminothérapie, votre truc ? Quelque part, oui. C'est un soin global pour les plantes. Alors, la machine va émettre des UVC, des ultraviolets de type C, qui vont stimuler les défenses immunitaires des plantes. Elles vont fabriquer plus d'acide salicylique, c'est-à-dire, comprenez, de l'aspirine végétale. Elles vont s'auto-soigner et donc moins de maladies, moins de parasites. Et ça marche parce que d'après les études cumulées depuis 2015, on aurait baissé dans les champs de vigne de 50% l'utilisation des produits phytosanitaires. Petit plus, parce qu'il y a toujours un petit plus, lorsque les vignes souvent sont attaquées, vous savez, par le gel, les gels tardifs du printemps, eh bien, lorsqu'on passe cette machine, elle repartirait, enfin, la vigne repartirait beaucoup plus facilement face à un gel tardif. Bien, donc, il y a tout à gagner. Il n'y a pas, Alice, y a pas de petit moins y a Non, pas de je ne suis pas sceptique, j'ai dit simplement les UVC, les fameux UVC, c'est ceux qu'on utilise aussi, notamment en temps de Covid, pour désinfecter l'air, tuer l'air, tuer les microbes, les souches de Covid qui seraient dans l'air. Ces petits UVC. Ça fait pas lâche pour nous aussi, pour Pour les points noirs. C'est dangereux si vous vous mettez face à la pelleteuse. Faites attention quand même. Et en plus, ça va assez vite parce que le tracteur roule à 5 km/h, donc ça va, c'est relativement rapide et ça dure longtemps. Le seul peut-être point noir, entre 35 et 50 000 euros, mais il y a des aides pour les viticulteurs qui utilisent cette machine parce qu'on lève le pied sur les produits phyto. C'est ça. Quand on regarde la carte de France des vignes, souvent c'est des taches noires. C'est-à-dire on parle de taches de produits phyto. Philippe, ça tue pas les insectes autour ? Ça tue aussi les insectes, le phylloxéra, etc. Donc ça flash vraiment et ça c'est intéressant. Donc, vraiment une belle initiative. C'est pas mal. C'est pas mal. On achète. On met du chimique, on met de la lumière à la place du produit chimique. Exactement. Anissé, vous faites appel à...